Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième journée des LCS. On est super chaud. Comment allez-vous? Comment vas-tu, Chips? Bah ça va, et j'espère que vous allez bien aussi. Et nous avons avec nous, eh bien, Hailey, tout comme hier, et Zad nous rejoindra, il me semble, après, dans tous les cas. Donc hier, on a vécu la première journée des LCS Europe, ouais. Le retour, et il y a eu pas mal de matchs intéressants. Quelques enseignements aussi, quelques surprises. Alors, petit récap, alors, qui a gagné quoi? Alors, les équipes ayant remporté leur match, les Wolves, les Fnatic, les Giants, les SK et les Unicorns. Et du coup, ben, les perdants, et c'est peut-être pas tous ceux qu'on attendait, Elements, Gambit, H2K, Mim et Rocket. Voilà pour hier. Et du coup, le programme d'aujourd'hui, on va commencer par un petit SK versus Mim. Ensuite, Giants contre les Wolves, Rocket contre Gambit, Fnatic contre H2K et du lourd pour la fin, Elements contre Unicorns. Les Unicorns qui, hier, moi, m'ont... ébahi. C'était très solide et ils ont sorti une composition qui... On n'a pas trop l'habitude forcément de voir des compositions avec autant d'engage, une composition un peu à la chinoise. D'ailleurs aujourd'hui, c'est ce que je tweetais tout à l'heure, il y a donc les Najin du côté de la Corée qui ont sorti la même composition au mid pré. Ils ont sorti un Kassadin au lieu d'une Syndra. Mais voilà, l'idée reste la même, c'est-à-dire vraiment 6 vires Leona pour l'engage, un Kassa pour faire du follow-up sur l'engage. Enfin, c'est extrêmement puissant et hier ça a très très bien marché pour eux, parce que, sachant qu'ils ont défoncé les Gambits en 26 minutes de jeu. C'était honnêtement, l'exécution était parfaite. Ouais, et les pauvres Gambits qui ont pas pu faire grand chose, même si en early game ils ont semblé un peu tenir à distance, après ça a été plutôt compliqué. Et donc Noah, le programme d'aujourd'hui, alors 5 matchs qui nous attendent. Oui. Mim, SK pour commencer. Alors les SK qui sont montrés là où on les attendait, hein, très solides, une équipe je pense qui sera dans le top 3 de la saison. Ils ont répondu à nos attentes, clairement les SK, ils ont été juste impériaux, il n'y a rien eu à faire pour les Rocket, ouais. Qui à côté de ça ont plutôt mal joué. Pour le coup, alors les SK étaient très bons, il n'y a rien à dire, par contre les Rocket ont fait une contre-performance hier. C'était vraiment beaucoup d'erreurs, beaucoup de misplays, des rotations assez bizarres. Et du coup, là, on va avoir SK contre Mim avec, pareil, des mimes. Des mimes, ben, on le savait, ils ont perdu Selfie pour Blizzer. Selfie qui était tout de même une pièce maîtresse de leur composition. Surtout, ils l'ont perdu au dernier moment. Ouais. Oro avec un Olaf Jungle qui n'a absolument rien donné. Malgré le call superbe de ta part, Noah, tu avais prédit. J'avais call Olaf. Ouais. Mais bon, ça n'a pas changé grand-chose finalement. Ouais, et un Jax en face qui avait complètement roulé sur Mimmer et sa top lane, qui avait pris un Renekton. Et ça n'a pas suffi pour contrer le Jax. Donc des mimes pas au top, des SK au top. Normalement, sur le papier, un match à sens unique, Chips. Complètement, je suis assez d'accord avec toi. Alors pour le reste des matchs, donc Giants contre Copenhagen Wolves. Une victoire de chaque côté. C'est... Les Wolves, les petits protégés de Hailey. Le poulain. Le poulain, tout à fait. Avec Arwax, il nous a sorti une très bonne game, oui. Justement. À les deux junglers qui avaient été déterminants sur cette game-là, et je pense que le jeu d'équipe des Wolves était un peu supérieur. Et pour l'instant, je ne les attendais pas à ce niveau-là, mais ils m'ont clairement fait plaisir hier soir. Et des Giants très solides, Werlib incroyable, XPP très très fort, une duo lane vraiment solide. Non, ça va être intéressant ce deuxième match. Rocket contre Gambit, pareil, hein. Gambit contre-performance. Alors Diamonds, vraiment une très grosse contre-performance de Diamond, des moves étranges, il a pas réussi à suivre le Kikis dans les ganks, des moves bizarres avec son Lee Sin. Mais Cabochard a été solide. Cabochard était très très bon. Il s'est battu jusqu'au bout. Ouais. La duo lane a été plutôt ok en early, après ils n'ont pas eu forcément d'impact. Ça n'a pas été trop déterminant, j'ai trouvé la duo lane, c'est plus joué au niveau du top et mid jungle en général. Ouais, mid jungle, ouais. Et puis, disons, à part la contre-performance de Diamond, sinon je pointerai pas forcément du doigt un autre joueur Gambit, mais c'est juste que les Unicorns of Love ont vraiment été très bons. C'était très très bon, ouais. Et à partir de là, ils avaient une composition, leur range d'engage était supérieur, et ils ont beaucoup utilisé cet atout. En quatrième match, on aura Fnatic contre H2K. Les Fnatic ont été impressionnants hier. Ah oui. Moi je les attendais pas aussi fort honnêtement, et ils ont été incroyables. Même les deux coréens, Uni et Rainover, ont fait un boulot magnifique. Rainover avec son Rengar qui était vraiment vraiment au top.
Donc, et les H2K, au contraire, traînant un peu la patte. Donc, on va voir si. Normalement, c'est une très bonne équipe, H2K. Ils ont perdu leur mid au profit de Ryu. Alors, ouais. Ryu, qui avec Akasa, avait. Ils avaient fait, en fait, H2K a fait un très bon early game, vraiment un très bon early game, mais c'est leur compo. C'est leur compo qui leur avait fait défaut et à la fin ils n'avaient pas assez de DPS. Ouais, ils n'avaient pas assez de DPS. Et même si Ryu était à 5-0, a commencé à 5-0, à 5-1 avec son Kassa, bah, ils n'arrivaient pas à tuer la frontline, ils n'arrivaient même pas à tuer les carry. Et à la fin ils ont tout simplement perdu contre la Cassio. C'était Soren, je crois. C'était Soren à la Cassio, exactement. Ouais. Et qui leur a fait très mal. À 1200 AP, il a fini. Ouais, il faisait des dégâts de fou. Il avait toujours un excellent positionnement. Et franchement, jouer une Cassio quand il y a un Cassa d'un fil en face, c'est pas facile. Et ils ont mené ça d'une main de maître. Ouais, ça suffit pas d'avoir un Coréen au mid qui fait le café. Il faut que toute l'équipe suive. Bah, mais ils ont pas mal joué. Pour moi, c'est vraiment la compo. C'est la compo. D'accord. Et à la compo, ils ont perdu. Et finalement, alors, on a parlé de Unicorns exceptionnel et les Elements qui n'ont pas été mauvais. Non, ils n'ont pas démérité, clairement. Fnatic a créé la surprise. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient à ce niveau-là. Ouais, c'est vraiment ça. Mais je pense qu'il y a quelques équipes qui ont sous-estimé leurs adversaires, notamment Elements et Gambit contre Fnatic et Unicorns. Enfin, je pense que surtout du côté de Gambit, ils ne s'attendaient pas à autant de brutalité. On peut se rappeler le fake dragon into charge avec le Jarvan qui tape même pas le dragon, qui est collé à la paroi à attendre que Diamond s'approche pour le sanctionner. Je sais pas si les Gambit s'y attendaient pas parce que, enfin, on connaît la valeur des Unicorns. Par contre, ouais, pour Elements versus Fnatic, pour moi, c'est là où est venue la vraie surprise finalement. Et d'ailleurs, hein, le dernier match, ce sera Unicorns of Love contre Elements. Ouais. Donc, une grosse confrontation. Une grosse confrontation. Et pour le coup, Elements sont prévenus. À mon avis, ils vont vouloir clairement l'emporter et prendre leur revanche sur hier. Alors après, Unicorns of Love est chaud. Ouais. Ça va pas être facile pour Elements. Je m'attendais à ce qu'ils soient très forts, Unicorns of Love, mais pas à ce niveau-là. Enfin, en fait, ils avaient sur Expansion gagné avec des petites cheese, avec des rotations qui étaient bien faites, des picks exotiques, etc. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'ils sont capables de prendre une grosse équipe vétéran comme Gambit sur un jeu posé, sur la strat en général, sur du mind game? Et la réponse, c'est clairement oui. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment franchi un cap depuis l'Expansion. Et je leur souhaite tout le meilleur. C'est ça. Après, j'attends de voir contre une équipe un peu plus rodée. Enfin, les Gambit étaient rodés, parce qu'ils ont gagné les IEM Cologne 3-1 contre les CLG, donc très bien. Là, je pense qu'il y avait un peu de contre-performance. J'attends de voir justement. Enfin, moi, je les ai trouvés remarquables. J'espère juste que ça va continuer. Ouais, j'ai tellement peur. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette équipe et j'ai tellement peur qu'ils commencent. Qu'en fait, j'ai peur que s'ils perdent la confiance. Ça détruise leur style de jeu, parce que pour jouer comme ça, il faut être sûr de ses coéquipiers, il faut être sûr de ses compétences, de ses mécaniques, parce qu'il n'y a pas un moment d'hésitation dans leurs engages. Tu vois la Leona qui court de loin. Ah, il y avait des moves hier, ce catch sur une Q sur le Kassadin, enfin le stun et l'ulti Luna qui passe, mais à la frame près, c'était juste magnifique. Ouais. C'était du lourd là-dessus. Après, ils ont mis au jour un combo qui est intéressant, hein, Sivir Leona. Oui. Pour ce qui est d'engage, en fait, même c'est de très loin, quand même. C'est all-in, mais voilà, quant à la composition qui va derrière après, c'est sûr que c'est pas fait pour counter-engage. Je trouve que cette duo lane, elle est très forte en offensif, mais il risque d'avoir des problèmes contre des équipes qui ont une très très bonne duo lane, parce que le problème de Leona, c'est que c'est vraiment un support qui est fait que pour agresser. En termes de pile pour les carry, ça sert à rien, tout simplement. Et si jamais, pour une raison X ou Y, ils se fait mettre derrière, ils vont pas avoir forcément les moyens de remonter, même si Sivir a un bon wave clear. Et je pense que ce qui a fait que UOL a pris l'avantage, a pu snowball aussi vite, c'est que les deux compositions d'équipe étaient des compos rentre-dedans, on l'avait dit hier. Ils ont réussi à graber un kill ou deux, Diamond qui était pas trop chaud. Et du coup, en termes de snowball, Sivir Leona, c'est parfait, comme vous l'avez dit. Si jamais ils sont un peu derrière, moi j'ai peur que ça se passe pas aussi bien. Donc là, on avait la présentation des deux équipes, Meteor Makers contre SK Gaming. Bon, alors, on va pas se mentir, pour la team Meteor Makers, ça va être dur. Ça semble très compliqué quand même. Sachant ce que nous ont montré Freddy, exceptionnel, Fox, très bon, Forgiven, il revient comme il nous a laissé, c'est-à-dire toujours premier au farming, tu fights, tout le monde fight, tout le monde se tape dessus, mais tu sais pas pourquoi, pendant ce temps-là, il a quand même pris 50 creeps à tout le monde. Ouais, c'est le genre de mec qui prend un doublé tout en farmant sa vague. Ce qui est fort côté SK, et tu sens qu'ils sont conscients de la capacité de Forgiven à carry, je trouve, tandis que là, on revoit le move. Le move gênant. Freddy.
Ah non, c'était pas celui-ci. Non, c'est pas ça. Non, alors là, c'est le flash out de Freddy pile au bon moment. Et derrière, les SK qui retournent complètement le fight en leur faveur. Grosse mécanique, Freddy. Hein. Ouais, Freddy était très, 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 très bon. Il a été au niveau qu'on attendait de lui, oui, en fait, hein, sur la lancée de sa saison précédente, tout simplement. Et bah, moi, je pense vraiment que le truc, c'est que SK arrive toujours, quand vous regardez les mouvements de Forgiven, il a toujours une lane à lui, sans carry. Enfin, sans autre carry ou personnage qui demande du farm à côté. Et c'est ça qui est assez fort. C'est SK arrive à dominer la map tout en faisant en sorte de ne pas forcément être groupé pendant les 20 premières minutes de jeu, de donner beaucoup, beaucoup de farm à Forgiven. Et même quand il regroupe, Forgiven trouve toujours une lane à farm. Ouais. Ils arrivent toujours à lui en donner une. Il faut regarder vraiment les mouvements des vagues de sbires sur la map pour voir à chaque fois où il va aller, etc. etc. Et vraiment, tactiquement, c'est très fort, mais c'est dur à mettre en place en plus. Et c'est très fort, et ça va dans la lignée de, on va dire, de la présence de Enraged pour moi. Oui. Enraged, on en parlait hier pendant le pré-show, c'est un des meilleurs stratèges en Europe. Et je trouve que le jeu SK est vraiment très léché. C'est très bien pensé, ouais. Il n'y a pas grand-chose à jeter dans ce qu'ils font. C'est très propre. Tactiquement, c'est très au point. Et je pense qu'on peut vraiment y voir la patte de Enraged, notamment. Alors, sinon, pour les picks, alors pour la méta, on a vu beaucoup de focus ban jungle. Alors Rek'Sai, ouais, full ban. On a eu beaucoup de ban Jarvan, beaucoup de picks de ban Lee Sin. On a même eu le droit du ban Elise. C'est vraiment les 4 junglers qui sont le plus ressortis à la top lane, de la Lissandra, du Jax, du Gnar, rien d'anormal. Mm-hmm. À la Dekari, du Graves, beaucoup de Graves. Et on a vu les limites de Graves, hein, parce qu'on en parlait beaucoup, c'est top tier, hein. Top tier, et c'est vrai que quand on sort une grosse front lane, bah, en team fight, au bout d'un moment, ça s'essouffle, ça n'a pas le DPS pour tomber des gros gnards, etc. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'il va falloir se renouveler un peu au niveau des piques et des carry. Je pense que Graves, c'est un champion avec lequel il faut vraiment insister en mid-game, ouais, hein, tout simplement. Et peut-être que les équipes ne l'ont pas assez fait, justement. On a vu notamment les Elements avec Rek'Sai. Ouais. Rek'Sai qui n'a pas du tout posé sur sa game. Non, mais il a mis trop de temps à regroup. Et aussi, quand tu as une grosse front lane et que tu pars sur une soif de sang au lieu de partir sur un dernier souffle, forcément. Ouais. Il a fait un stuff pour tuer du Squishy, mais qu'il ne pouvait pas toucher. Donc au bout d'un moment, il s'est retrouvé face à deux tanks sans pouvoir leur passer leur armure. Et il n'a servi à rien. Donc on va voir justement pour les Elements. Je suis assez curieux parce que pour moi, ça, même s'ils ont perdu leur premier match, ça reste une équipe qui restera dans le top 3. Ouais, je vois pas autre chose. Je vois pas les choses autrement. Enfin, même leur changement d'Adekiri à leur tabs était excellent, mais Rek'Sai c'est aussi une pointure, donc je vois pas comment ça peut mal se passer. Et on est rentré dans la phase de draft avec un ban Azir. C'est pas la première fois, on en a vu du ban Azir. Azir qui est un champion qui, enfin, on en a vu et 0%. Non, c'est le deuxième ban Azir. C'est le deuxième ban. C'est le deuxième mais ban. Leur pourcentage de ban, parce que Rek'Sai il a été full ban et c'est 0%. Il y a des trucs bizarres, effectivement. Ouais. Alors, Caitlyn qui est ban contre Forgiven, bon, ça on en parlait également pendant la preview hier. Forgiven est un joueur qui est connu pour être très fort sur Caitlyn, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, ça semble approprié, mais ça veut dire qu'il est très craint. Ça, c'est bien aussi quand un carry AD peut monopoliser un ban d'un champion comme ça qui a assez peu joué quand même. Oui, parce que c'est pas un top tier, c'est vrai que. Non, c'est vrai que c'est bien vu de leur part. Ban Kassadin, Z. Kassadin de ban, Jarvan également. Jarvan, Lee Sin est là également. En fait, je pense que le pourcentage des bans, c'est le taux de présence du champion dans une game. Parce que là, on voit le ban Kassadin, 84%. On n'a pas eu de Caitlyn, on a. Ah, c'est vrai, ouais. Donc c'est. Ah, c'est une bonne question, ouais. Non, je pense que c'est la première semaine. Il y a encore quelques petites imperfections dans ce genre de truc. Et ça va rentrer dans l'ordre ultérieurement. Un Gnar de pique pour Mimer. Les Unskirin, je pense qu'il va se faire plaisir. Voilà, il a deux de ses junglers préférés ouverts. Ouais. Il y a beaucoup de piques hein, qui sont open. Jarvan, Lee Sin, une Irelia pour la top lane aussi, qui tient plutôt bien à Gnar. Harry, Xerath qui sont open également pour la mid lane. C'est le pourcentage du Summer Split. Non, parce que le blanc en Summer Split, c'est plus que ça. Hein. Ouais, pareil pour Z. Ouais, il y en a eu effectivement. Non, je pense que c'est juste le truc qui n'est pas encore à jour. Un Graves encore, mais cette fois-ci du côté de Forgiven. Ouais, enfin, le Jarvan, on pouvait l'attendre. Le blanc, il n'y en avait pas trop en fait au Summer Split quand je pense, parce qu'il avait pris son ban.
Il avait pris l'air du silence à ce moment-là. Silence, oui. Mais je crois que Zed, il y en avait eu. Dans tous les cas, il y a plus que 0% de ban Zed. Ouais, ça me paraît étrange. Bon, alors, un gros combo teamfight côté SK, là, le fameux Graves qui est présent pour Forgiven. Alors, voyons voir si eux savent l'utiliser, ce Graves. C'est contestable, je trouve, le choix de Graves, parce que Forgiven, comme on le mettait en avant, c'est un excellent farmer. Donc moi, j'aurais peut-être plus vu sur un carry un peu late, parce que Jarvan Graves est très très fort en mid-game. Mais après, ça s'essouffle quand même. Après, voilà, un petit Jarvan avec une Cassio et une Lissandra, t'as un bon gros bon beau combo de teamfight. Avec un Graves, enfin là ils ont une compo en plus, le double AP, effectivement là ils ont beaucoup de dégâts de zone. Aux alentours des 20 minutes de jeu, je pense que la composition SK va commencer à peser vraiment dans la game. Puis le late est assuré avec une Cassiopée dans tous les cas. Non, c'est intelligent de leur part. Alors, une Ahri, un Lee Sin, un Jarvan, une Sivir côté Mime, donc que des picks très forts actuellement. Pareil, hein, assez. Très rentre dedans quand même, mais avec plus de capacité disengage quand même que leurs adversaires. Ils c'est ont quand le même choix. Fragile. Hein. Ils ont le choix. Il y a le Gnar qui tank. Après, c'est sûr, quand tu regardes mon côté SK, voilà, t'as un Jarvan, t'as Graves, Cassiopeia, c'est un champion, on sait qu'elle fait railler très vite. Après, elle a son archange, elle dispose du shield et oula, la Lulu en plus. Ouais, là, par contre, ça rajoute beaucoup en termes de tankiness. J'aime bien leur compo, hein. Ça tape, ça tank, il y a du contrôle, il y a du wombo combo. C'est la deuxième fois qu'il sort une Lulu. Oui, c'est vrai. Alors moi je trouve que le perso est hyper intéressant en mid ou en top lane avec un hyper carry. En support, je suis pas fan, je trouve que Thresh est au-dessus, Janna également. C'est pour ajouter du tanking. C'est-à-dire qu'ils ont un seul tank pour faire la frontline, au lieu d'en avoir deux, ils prennent une Lulu pour compenser. Pourquoi pas ? Pareil, moi je suis pas extrêmement fan. Ça, c'est un style de pensée qui est très, très propre à Enraged. Moi, je me souviens quand on avait parlé avec lui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser en termes d'efficacité pure sur la lane et autres. C'est vrai. Mais lui, il a toujours ce côté où il voit plus loin, il voit que les synergies de l'équipe. C'est un joueur qui a joué de laquelle support à un moment. Ouais. Et là vraiment, quand tu regardes, c'est vrai que en termes de synergie avec l'équipe, c'est intéressant. Puis ça va les rendre vraiment intuables. Hein. S'ils arrivent à vite tuer un carry des Meteor Makers, les SK. Et ils en ont vraiment les capacités parce qu'ils ont beaucoup de burst, beaucoup de lock. Ben derrière, comment les tuer, ça risque d'être très dur. En plus, ils ont beaucoup d'engage. Il manque peut-être un petit peu de range sur les engage SK. Parce que le combo de Jarvan, il ne peut pas se permettre de partir trop deep. Lissandra, Sengriff in, mais la range, j'ai pas Imba non plus. C'est un compo de jump in. Hein, tu rentres dedans. Ou à une compo, au contraire, tu peux te laisser engager. Oui. Tu peux te laisser engager et tu piles et t'as le Jarvan qui part tout seul contrôler les carries pendant que tu one-shot quelqu'un. Ça peut se faire dans ce sens-là. En termes de siège, ils sont pas si mal. Il y a une Cassio pour venir spam. Ils ont 4 ranges. Hein. Ouais. Et ça, c'est très très fort. Plus le drapeau de Jarvan qui buff tout le monde. C'est vrai que leur compo est assez équilibré. Ouais, avec une Lulu, non, c'est une bonne compo. Et la Cassio, préparez-vous. Hein, parce que la Cassio, je pense qu'on va en manger cette saison. On risque d'avoir des bans au bout d'un moment, je pense, parce que le champion, quand même, est très, très, très balèze. Alors là, j'ai pas vu, donc c'est Fox au mid avec la Cassio, d'accord, et donc ça veut dire Lissandra top contre Gnar. On a pu voir hier que Cassiopeia, ça a défoncé Gnar. Je pense que Cabochard était particulièrement chaud hier sur sa Cassio. À mon avis, le match-up est à peu près even. C'est un match-up rentre-dedans. C'est vraiment pas un match-up passif. Les deux peuvent se tuer. Après, tout dépend sur l'esquive des skills en général, puisque si Gnar il arrive à toucher deux boomerangs qui fait proc deux fois sans aide, les dégâts sont colossaux. Si Cassio arrive à enchaîner deux Q-spells linkés avec les crocs, ça peut faire hyper mal aussi. Il y a un petit désavantage quand même pour Cassio au niveau du fait qu'elle n'ait pas d'escape. Je pense que Cassio a l'avantage dans le match-up, mais c'est sur la top lane, c'est tellement dangereux. Le jungler, tu peux te faire vraiment ouvrir et tu peux te faire dive. Tu peux te faire dive de façon très 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 sale. Donc j'attends de voir. Après, honnêtement, je pense que Cassio c'est très très fort sur beaucoup de choses et que son plus grand défi c'est d'affronter un assassin. Forgiven qui va chercher Mr. Wallet là et qui lui met beaucoup de dégâts. Ok, il y a deux wards dans le tribush là, les deux équipes ont l'information. Bon, au niveau des starters, on n'a pas grand chose de changeant à se mettre sous la dent, on va dire. Et les SK donc ne partent pas sur un swap lane. On vous rappelle que hier ils avaient décidé de swap.
Pour l'instant, on a une configuration totalement classique dans cette game. Ouais, toutes les lanes sont solides, hein. Les junglers sont assez équilibrés en termes de puissance en early game. Il n'y a pas vraiment une lane dans le déficit. Oui, je vois pas trop l'intérêt du swap lane. Ouais, c'est étrange. C'est peut-être qu'il a pas. Non, je vois pas de. Qu'est-ce qui est étrange? Je pense que ça va jouer pas mal au mid. Je pense que ça va jouer beaucoup au mid. Si Jarvan arrive à porter la pression, Harry, ça a pas d'escape. Ça snowball. Enfin, Cassiopeia peut vraiment snowball très très fort. Attention, hein, pour Cassio aussi, ça peut être dangereux. Cassio, c'est un personnage qui est très engageant sur la lane. Ça peut vraiment lui porter préjudice parfois. Après, c'est inhérent à son style de jeu, on va dire. Hein. Bon, alors c'est parti au bot. Je suis pas vraiment fan, moi, du choix. Jamais été fan d'une Janna par rapport à un Graves. Boom. Parce que tu mets le shield, tu te prends le buckshot, t'as plus le shield. Ouais, et là, la Janna, bon, elle a pas un apport extrêmement fort. Et puis Lulu, c'est pas non plus le perso qui dispose du moins de burst en tant que. Oh là, mais regardez ce trade là. Et les mimes reculent complètement devant la force des deux joueurs SK. Ils sont tous les deux out de la lane déjà. Fox est hyper agressif également. Ça, c'est une particularité de l'équipe SK qu'on avait mis à jour également pendant la preview. C'est-à-dire que tous leurs laners sont extrêmement solides et ont plutôt une attitude qui vise à dominer la lane. Ouais. Et là, on le sent. Hein. Regardez, sincèrement, du côté de Mister Ralez et de Nisbet, la pression qu'ils ont pris. La civière a été obligée de back au niveau 1. Catastrophique, c'est catastrophique. Et surtout, en fait, ils ont laissé vraiment de full focus for even. Et Nereid se baladait en faisant du free poke sur les deux joueurs et ils ont complètement perdu le trade là-dessus. Ils ont été très intelligents, les SK, de tenter le trade là parce que eux, au niveau 1, ils ont deux spells de dégâts. En plus de ça, il y a le passif de Lulu, c'est ça, en fait, qui est très fort, et le passif de Graves qui est très fort également pour tanker. Donc les mimes étaient largement en dessous et ils sont fait bait tout simplement dans ce trade et ils ont complètement perdu les pieds finalement. Ils ont perdu pied. Donc là, voilà, on va avoir une duo lane SK qui va over-dominer ses adversaires, je pense. Parce que Lulu et Grace, c'est super agressif. Et à chaque fois, les buckshots de Forgiven touchent quasiment tout le temps les deux joueurs adverses. Et sincèrement, là, on voit des SK qui dominent. Au mid, Fox ne s'arrête pas face à la rue de Blizzard. On a vu que Blizzard était pas un mauvais joueur, mais il était pas forcément hyper déterminant. Et encore, hein, encore, Mister Ralez, il continue de se faire complètement sur POC. Il faut pas qu'ils trade comme ça, c'est pas leur avantage du tout. Ils peuvent pas, enfin, là, en fait, le zoning analytique est extrêmement bon, il est quasiment placé. Ouh, le go-in, le flash-in et le first blood en faveur de cette duo lane SK. Comme quoi, hein, la tendance ne mentait pas. Les SK viennent de rouler sur la duo lane Meteor Maker. Je sens sans que complexe, ça va être dur comme game. Ouais, ça va être très dur. Game pour les mimes déjà ne devrait pas durer hyper longtemps. Enfin, ça commence déjà à outfarm sur toutes les lignes. Sur toutes les lignes, il y a du outfarm. Et plus un first blood en bas, il y a déjà le back de la Harry. Enfin, le Gnar, il est midlife, il s'est fait prendre bientôt une dizaine de creep. C'est extrêmement compliqué. Et Jarvan qui est prêt, Zenskirin qui est prêt à faire un petit gank là-dessus sur Blizzard. Dès son retour. S'ils arrivent à donner un kill à Cassiopeia, c'est. Ça va aller très très vite. Il n'y a plus de flash sur Blizzard. Il a claqué son flash en 1v1. Aïe 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 aïe. Et ça c'est une donnée qui n'échappe pas à Svenskeren. Svenskeren, le bump, le poison qui est positionné. Blizzard prend de lourds dégâts. Les crocs et le kill est donné à Fox. Mon dieu, 2-0 en faveur des SK Gaming. Et j'ai vraiment l'impression, en fait, ça va être un d'avoir un gouffre. Enfin, de voir un gouffre entre ces deux équipes. Les mimes se font outpick, très clairement. Ils sont en dessous mécaniquement, malheureusement. Svenskeren, bonne présence au niveau de la midlane. Enfin, je le disais tout à l'heure, je pense vraiment que c'est un match-up à babysit Cassiopeia Harry. Parce qu'effectivement, sur un bon bisou, Harry peut gratter la Cassiopeia, mais si jamais il y a un CC de placer sur Harry, qu'elle est un peu avancée sur sa lane, le DPS hyper constant de Cassiopeia lui refait les dents tout simplement. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, comme ils sont hyper tanky côté SK, avec un Jarvan, avec un Graves, avec une Lulu, s'ils commencent à prendre des kills maintenant, ils vont pouvoir dive en chaîne et ça va être. Enfin, snowball sur snowball là. Surtout hein, Lissandra, Jarvan, c'est champions, et puis Lulu, ouais, c'est champions clair. Qui sont très forts pour dive. Et même Freddy au top, un comprimeur, oui. Il s'en sort très bien là. Par contre, il prend pas mal de pression. Et on attend vraiment l'intervention d'Oro là-dedans. Oro, on l'a pas encore vu. Hier non plus, c'était vraiment pas. Il a pas fait une bonne game. Et là, ils sont en train de full push à la botlane. Il n'y a pas une seule ward.
ils sont encore, il y a encore de la vie sur Mister Rallez et Nizel. Voilà, il faut y aller. Et ils l'ont vu, je crois qu'il est mal passé. Il y a un TP directement sur la top lane pour revenir, pour continuer de deny Mimer. Et en fait, c'est très bien fait de la part de Zenskuren parce qu'il se trouve. Attention, Oro qui est touché, Oro qui est touché, Oro qui prend beaucoup de dégâts. Zenskuren l'a complètement reboot. Le coréen des Meteor Makers n'a rien pu faire face à l'invade. Mais même Zenskuren est impérial dans la jungle de cet adversaire. Et voilà, il va deep ward après avoir obligé Oro à effectuer un back. Il a deux épées longues supplémentaires. Et alors, regardons en faisant le point niveau farming. Mais voilà, plus 20 creeps sur la mid lane. Et on le voit, il n'y a pas le niveau aussi sur Blizzard. Là, s'il avance, en plus, il se prend un gros face ulti de la part de Cassio. Il ne peut rien faire. Et il a son flash, hein, Fox. Donc là, il est susceptible à tout moment d'aller chercher le kill sur Blizzard. C'est ça. Bah, Zenskuren qui est en position de dive, là, ça va partir. Ouais, justement, Lee Sin qui arrive, c'est parti sur Blizzard. Il le dive sans concession. Oro qui se retourne sur Zenskuren. Ça va dire pour Zenskuren. Zenskuren n'a plus de flash. Il a plus flash. On l'arrivée de Fox. Fox est présent. Peut-être un autre Q. Non, Oro n'avait même pas son. Il n'a même pas pu attendre le retour de son cooldown pour tenter de mettre la pression. Quoique le Q qui touche. Il va tuer peut-être. Oui, il va prendre le kill sur Zenskuren. Oro, le croc, attention, il va s'en tirer. Petite erreur de Zenskuren d'être retourné sur la lane par cet endroit. Et avec l'Ignite, là, il pouvait prendre le kill Fox, mais bon, du coup, c'est du 1 pour 1. Et ça remet un petit peu Svenskuren dedans, là, ça va lui permettre de filer un petit coup de main sur toutes ces lignes qui en ont furieusement besoin. D'ailleurs, on va voir la tour au bot qui ne va pas tarder à tomber. Ils sont niveau 6 contre niveau 5, donc en plus, la Nisbet, il pourrait se faire instant si jamais il fait le fou. Bah, là, faut bien noter qu'Oro il est obligé de jouer en marchant sur des œufs, hein. Tout simplement parce que toutes ses lanes sont perdues. Donc ça veut dire que si jamais lui se fait attraper, il ne peut compter sur aucun backup. Et vu la puissance des laners qu'il y a de part et d'autre, si time mal son gank, en fait, il peut se faire one shot sur un burst de Forgiven, ou que ce soit au top ou au mid. Enfin, honnêtement, pour avoir joué beaucoup de jungle en équipe, c'est le genre de situation dans lequel où tu sais que tu n'as absolument pas le droit à l'erreur. Une erreur et c'est fini, tu peux plus rien faire de la game. Attendant, Svenskuren qui va aller faire un petit coucou sur la top lane. Il n'y a pas l'ulti sur Lissandra, donc je pense pas qu'il y ait grand chose à faire de ce niveau là. Après, il n'y a plus l'ulti sur Mimer. Il n'y a bientôt plus la forme de Mega Gnar. Il pourrait vouloir attendre. Est-ce qu'il n'est pas stationné sur une ward là par hasard? Non. Ou elle est juste devant le buisson? Elle est devant le buisson. Elle est juste devant le buisson, donc il ne le voit pas encore. La tour qui ne devrait pas tarder à tomber pour l'escar. Ah, la domination est totale. Ouais, hein. Sur la bot lane, c'est une énorme gifle. 25-16 d'avance en faveur des deux joueurs. SK là, ouais, l'ajout de Forgiven a vraiment été un plus énorme pour cette line-up. Regardez, en plus, ils finissent tranquillement la tour, ils font avancer les creeps vers eux. Et du coup, bah, on est obligé pour la duo lane des Meteor Makers de se rabattre. Bah, vers les Krug, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Il y a un petit gank au top, peut-être pour Mimer. Il suffirait d'un ulti de la part de Freddy. Il est en cooldown encore. Il est en cooldown, il me semble. Ah non, il est revenu. Il l'a, ok. Et ça a été ping, donc ils l'ont vu, les mines. Ils vont tenter le 2v2. Il faut la forme de Mega Gnar s'ils veulent 2v2. Freddy n'a plus beaucoup de points de vue, c'est peut-être faisable avec un bon Q d'euro. Et il faut que Mimer arrive à bait. Attention, ça va se jouer. Et c'est parti. Rho qui va y aller, le double jump de la part de Gnar, il va y aller, ils sont tous dans l'arène de Jarvan, ah attention, le DPS est monstrueux, c'est Skurin qui va tomber, il n'y a pas assez de dégâts, et Freddy qui va le suivre, c'est 2 kills pour les mimes. Il ne faut pas embêter un Gnar. Le Gnar, grosse capacité de tanking, et pourtant Freddy avait bien tempo en mettant son ulti sur lui-même, histoire d'éviter les dégâts supplémentaires qui allaient être apportés par Oro, mais là les SK ont perdu cette phase de trade. Gnar c'est très fort, c'est très très fort. Dans ce genre de cas, pap, on voit l'ex-drinker qui fait beaucoup de bien. Ouais. Bah, là, fin, petite erreur, je pense, de la part des SK. Ils auraient dû focus Oro plutôt que de partir sur Mimer pour deux raisons. La première, c'est que Mimer est en niveau 8. Oro, juste au niveau 6, il est beaucoup plus tanky. Et ex-drinker, comme vous l'avez souligné. Et le truc, c'est qu'ils sont empalés en fait sur la forme de Grognar. Ils sont pris tous les contrôles. Enfin, très très bien joué de la part des Meteor Makers. Ils sont pris l'ulti de pleine face. Ils sont pris le Q plus kick de Oro. Enfin, c'est un très gros burst. C'est un très gros burst. Et Lissandra, ben, à ce niveau-là de la partie, c'est vraiment pas tanky. C'est vraiment squishy. Et ils en ont payé les conséquences. On a le dragon qui va être engagé par les SK, qui ne sera absolument pas défendu. Et les mimes, ça les remet un petit peu dans la partie. Après, ça règle pas le problème de la duo lane. On va dire qu'ils profitent de. Enfin, ils ont profité là-dessus de l'over-agressivité des SK. Mais d'ailleurs, ça fait plaisir de voir les SK qui jouent comme ça, parce que sincèrement, la saison passée, ils étaient plutôt attentistes
en early game, ils n'avaient pas tendance comme ça à prendre à bras le corps les parties, à agresser leurs adversaires. Et pour le coup, vraiment, on a là tous leurs laners qui s'expriment. Fox est capable de dominer à peu près n'importe quel adversaire en 1v1. Freddy, c'est la même chose. Et leur duo lane a tellement step up cette saison avec l'ajout de Forgiven. Là, on sent que les mimes, eh bien, c'est compliqué pour eux. Je pense qu'ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Après, voilà, il n'y a qu'un qui a 5 gold de retard, mais on n'était qu'en phase de lane. Et là, maintenant, on va commencer à avoir la maîtrise tactique des SK qui va se mettre en place. Il y a une Cassio qui a 2-0, les gars. Ça, il faut le noter. Hein. Harry est plus forte au niveau 6, pile poil en termes de D'ailleurs, son décal. Build est très différent. Ouais. Il a bulle séculaire. Après, le principe reste le même. Hein. Faire un objet AP qui offre de la tankiness. Ouais, mais c'est pas pareil quand même. Hein. Bah, il peut faire la tierce encore. Hein. Ça se stack très très vite sur Cassiopée. La tierce qui a été up par rapport à la saison 4, si je dis pas bêtise, qui se stack beaucoup plus rapidement. Ouais, ouais. C'est pas. Moi, ça m'étonne pas plus que ça. Non, ça, c'est alternatif, mais c'est pas mauvais. Ça reste dans l'esprit d'une Cassiopée. Du coup, Svenskeren qui est parti en invade, qui essaie de placer un peu de deep warding, prendre l'information. Et là, les SK, ils pourraient passer à la vitesse supérieure, ils pourraient continuer à agresser. Parce que là, il n'y a plus grand chose à faire à la bot lane. Ça commence à prendre des risques, ça commence à push un peu beaucoup. Après, Oro a réussi à récupérer des kills sur la top lane. Il faut qu'il arrive à s'en servir, il faut qu'il arrive à faire la différence, Oro. C'est, je pense, vraiment le seul espoir de son équipe sur cette early mid game. C'est compliqué avec un Lee Sin, hein, de tenter un Go-In contre un Jarvan, contre un Lulu, Insec, un Grave, c'est quand même dur, il y a un dash out. Ça regroupe du côté des SK quand même. Et c'était juste pour TP back Fox, l'ulti sur deux joueurs des Meteor Makers, mais il y a quand même beaucoup de monde, il y a du backup également. Fox, on a un ulti à Lulu qui lui permet de survivre, mais ce kick était plutôt bon de la part de Oro, heureusement qu'il y avait ce shield de Janna. Le shield de Janna lui permettra d'encaisser tous les tics d'Ignite et de s'en tirer. Ça s'est joué à pas grand chose pour le jungler des Fox. Il a raté un peu son ulti, il l'a mis que sur Janna. Ça ne lui a pas permis. Il a essayé de flash out pour se réorienter, pour se repositionner et se prendre directement l'ulti d'Unrated. Mais il s'est pris un énorme kick d'Oro dans les dents. Flash de Nisbet quand même, alors que bon, il lui restait des points de vie. Le Jarvan n'avait plus de mana. Il avait un ulti. Ouais, mais pas de mana, tu me diras. Je sais même pas s'il avait de quoi utiliser là son ult. Je pense qu'ils avaient pas la vision derrière en fait. Il s'est dit, il y a Jarvan, il y a certainement Lissandra ou Lulu derrière. C'est vrai que sur un lock ça peut aller très vite. On est à 13 minutes de jeu, il y a un Graves également qui a un damage input à ce moment de la partie qui est conséquent. Ouais, trop de pression là pour l'instant sur les Meteor Makers. En tout cas, hein, les SK qui se font gratter petit à petit, Mime arrive à trouver des kills finalement et à utiliser le fait que les SK soient en situation de totale domination, entre guillemets. En tout cas, ils ont envie d'imposer leur style très très vite dans cette partie. Ça donne quelques ouvertures aux Meteor Makers qui arrivent à les trouver. Je loue quand même leur capacité à ne pas être trop tombé derrière, à avoir su répliquer au niveau des kills, notamment sur cette top lane là. Puis leur gank mid, ça va, ils arrivent à se réveiller petit à petit. Mime, je m'attendais pas à ce qu'ils aient un répondant de ce niveau. Oro en embuscade avec Freddy qui devra affronter le Gnar de nouveau. Ils pourraient tenter un petit quelque chose. Ils vont essayer de toujours se focus sur la Cassio au mid. Je pense que c'est vraiment les mécaniques d'Oro qui font la différence pour l'instant. Oh là, le King's Inspired n'a pas beaucoup de points de vie. Là, il a pris extrêmement cher, mais il n'est pas tombé. Le bisou de Blizzard qui n'aboutira pas sur la Cassiopeia de Fox. Et la Fox va se retrouver en position de dépusher, mais une situation qui ne gêne pas vraiment Cassiopeia, qui a de gros outils pour réussir à tenir ses tours, notamment une 30 avant le retour du dragon. Maintenant, on va voir ce que va donner le prochain affrontement à ce niveau-là. Est-ce que les mimes vont le disputer? En tout cas, je pense qu'ils auraient intérêt à au moins tenter de poke leurs adversaires. Ils sont bien revenus dans la partie. Hein. Et puis Oro, voilà, à ce niveau de la partie, il fait de très très gros dégâts. On l'a vu hein, sur Svenskeren qui se fait quasiment three shot. Et regardez là, hein, les SK qui offrent une free lane à Forgiven. Forgiven qui va au top justement, c'était la lane sur laquelle il était censé prendre le plus de farm. Celle du bot était relativement avancée dans le camp des Meteor Makers, celle du mi était escouattée par la Cassiopeia et il faut qu'ils offrent du farm à cette Cassiopeia. Donc pour Forgiven c'est le top et la Lulu qui décale tout de suite de la mid lane vers le top pour apporter du soutien et pour s'assurer que Forgiven ne risque rien. Il y a eu pas mal de map control de poser au passage, voilà, ça c'est des mouvements très SK là et Forgiven qui continue à farm. Par contre on est à 40 secondes
du Retour du Dragon, les SK le savent bien évidemment, on a le TP back de Forgiven, enfin pardon, d'Unrated, pile à ce moment-là, et Forgiven qui va retourner à sa base également. Donc on va sécuriser le crâne dans la rive du côté des mimes. Ils vont le disputer, ils vont clairement le disputer ce dragon, il leur ferait beaucoup de bien. En attendant, on a Sivir qui va essayer de rattraper son énorme retard au farming. Ça c'est vraiment point. Les SK ont pris un énorme avantage sur la duo lane, mais derrière, sur le top notamment, ça s'est un peu moins bien passé. Bah, moi je pense que la seule chose qui tient Miku Makers debout pour l'instant, c'est Oro. Oui. Oro qui a vraiment fait des gros plays, et comme je le disais tout à l'heure, il avait une marge de manœuvre qui était très très courte. Il a su remettre bien son top laner qui est parti full tank. Derrière là, il a encore 4-5 minutes de temps fort avec son Lee Sin. Après, j'ai peur que lorsque le personnage va s'essouffler, que les Mikumakers soient à bout d'arguments en fait pour arriver à tenir le late game des SK. Faut qu'il arrive à les amener assez bien pour que le Gnar puisse prendre la relève avec une Sivir, une Ahri. Il y a le DPS nécessaire. Le problème, c'est que je vois pas comment le Gnar tout seul pourra aller chercher la Cassiopée. Ah, va falloir compter sur les mécaniques de Blizzard. Mais est-ce que Blizzard peut réussir à se faufiler pour les caler un bisou salvateur? On va voir. En attendant, on se reconcentre sur le dragon côté des mimes. Je pense que ça va être dur, hein, sans paler dans la team SK. Attends, par contre, Rimimer fait beaucoup de dégâts à Freddy. Il arrive à disengage. On a le gros push au mid d'SK. Pour l'instant, il ne se positionne pas au niveau du dragon, ils mettent la pression à leurs adversaires. Oula, le Q, est-ce qu'il va y aller sur Fox, Oro? Alors, une insec ou pas? On a mis un smite, le positionnement était très dangereux de la part de Fox. Il était dernier de la colonne, il a failli se faire go in. Ouais, il s'est fait un peu prendre de vitesse, je pense, mais bon, dans tous les cas, avec Cassiopeia, si tu veux mettre des dégâts, t'es obligé de t'exposer un peu, quelque sorte, heureusement, parce que sinon le champion serait vraiment... Il serait un peu pété. Hein. Ouais. Donc ouais, c'est un style très all-in, hein, Cassiopeia, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et les SK là, qui viennent de mettre la pression mid, ils ont vu Mimer au bot, et du coup, ils en profitent pour reprendre la possession du dragon avec leur supériorité numérique. Mimer n'est puis pas ça pas va vite avec une Cassio. Ça fait mal. Ça fait super mal sur le tee, tentative de steal, et il arrivera un tout petit peu trop tard. Oro, est-ce qu'on va avoir le droit à un engage? L'arrivée de Freddy qui s'est pris la fatigue instantanément, qui va tout mettre sur Nisbeth, mais c'est le support. Ils sont en train de dépenser beaucoup. Mais derrière, un ulti Forgiven qui est arrivé, Mimer qui se fait zoner. Il y a le Graves qui fait mal, Noah, et voilà, un Graves à ce moment-là dans la partie, bah ça allume en teamfight. Hein. Tu mets un ulti. Tu fais d'énormes dégâts. Forgiven n'a pas pu rentrer. Il y a Fox qui est arrivé, qui lui a tout déchargé dans les dents, qui l'a mis mid-life avant même qu'il puisse prendre sa forme de méga Gnar. Ouais, c'était très bien fait. Et petite note là sur l'itemisation de Forgiven, qui a fait le choix de partir sur un Bruta avant de finir son IE. Et ça, c'est hyper malin parce que le Bruta décuple énormément les dégâts du Buckshot et de l'ulti, ce qui le rend particulièrement fort sur un teamfight à ce moment de la partie. Et là, on l'a vu, ulti Jarvan, ulti Grave, ça vanish tout le monde. Bruta, c'est un objet ultra, ultra utile en early game. C'est un choix d'early game. C'est un choix pour asseoir sa domination sur la ligne et complètement écraser quelqu'un que tu es déjà en train de défoncer. Donc pourquoi pas, il avait tellement d'avance qu'il pouvait se le permettre pour enfoncer le clou. Et non, mais comme tu le dis, je trouve que sur Grave, c'est un très bon objet. Bah, en fait, l'IE, ça va augmenter le dégât sur le temps parce que ça va donner des grosses auto-attaques. Et ça, généralement, c'est quelque chose qu'on va aller chercher plutôt pour le late game. Alors que le Bruta va augmenter les dégâts beaucoup plus sur les spells. Et c'est vraiment en fait sur du burst que ça va être efficace, qui est très très fort en mid game sur un combo Bugshot. Ulti, ulti Jarvan, ulti Sandra, ça fait des dégâts complètement hallucinants. Alors là, on voit le tableau des scores un peu, donc 4 kills partout finalement. SK après un départ Tony Truant sont fait rattraper par les Meteor Makers et Oro fait un gros taf, hein, finalement 2-0-2. Il a pris beaucoup de pression en early game dans sa jungle par Svenskeren, mais là il a réussi à bien revenir dans la game. Et bon, les Lee Sin coréens, on les connaît, ils sont redoutables. Le 2v2 au top lui a vraiment permis de revenir complètement. Et après, on a vu le avant-après. C'est lui qui est venu chercher Svenskeren dans sa jungle, qui est venu lui mettre de la pression, qui est venu le counter sur ses raids. Donc, mais par contre, il n'est pas du tout passé du côté de Forgiven et d'Enrated. Il ne peut pas. Honnêtement, il ne peut pas. S'il y va, ça reste un Lee Sin, hein. Il n'est pas tanky. Graves fait énormément de dégâts. Enfin, il est quand même à 192 de farm à 19 minutes de jeu, le Forgiven. Hein. Fidèle à lui-même, comme d'hab. Il est toujours dans ces scores-là. Rien à redire. En fait, c'est ça qui me fait peur. C'est que Forgiven a 46 d'avance sur la Sivir, même ce qui est l'équivalent de 3 kills. Même le mid, et le mid, sachant que la Cassiopée a fait le choix de prendre un objet qui est très fort en late game, le séculaire, alors que la Harry est partie sur un Graal qui est plutôt un objet d'early mid. Un Graal, hein, d'ailleurs, bon, contre double AP, ça peut se comprendre, pourquoi pas. Ouais, ça me choque moins que la Leblanc d'hier avec un Graal. DFG, je trouve ça toujours plus impactant. Sur une Cassio, en fait. C'est all-in. Le problème du DFG, c'est que c'est extrêmement fort en go-in,
mais en défense, c'est pas terrible dans le sens où t'as pas autant de Wave Clear qu'un Rabadon et surtout t'as pas de Regen Mana. T'as pas Regen Mana, mais après, c'est une Cassio en face, t'as envie de la one shot, même si elle est tanky, enfin, il la tuera pas en 1v1 sans le brasser de feu mortel. En fait, pour moi, c'est vraiment un aveu d'impuissance. C'est un aveu de je perds, je vais limiter les dégâts plutôt que de prendre un risque pour essayer de reprendre le dessus sur le match-up. C'est une philosophie, hein. Ça se trouve, il aurait pas été capable. Je pense que, en fait, il a fait cette décision quand il a vu, enfin, il a pris la décision de partir sur le Gralimpi au moment où toute son équipe était derrière. Et si Oro s'était remis bien un petit peu plus tôt, il aurait peut-être changé d'avis parce que le combo Harry avec un Lissine qui est très bien en mid game, c'est très puissant. Et je pense qu'il a plutôt choisi en fait la sécurité tout simplement. Par contre, alors Georges nous dit que si tu veux avoir le droit à une caméra sur toi, il faut que tu réintègres le canapé. Très bien, je réintègre le canapé. Du coup, petite pause dans la partie pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous avons Rocade contre SK et finalement un match... Mime contre SK et finalement un match bien plus serré que ce qu'on avait prévu. Surpris par la réponse des Mimes, mais dû en grande partie à un Oro qui a su se ressaisir. Ouais. Après leur ligue compliquée, voilà, ça reste un Lee Sin, c'est-à-dire que c'est bien, il a pu se ressaisir, mais on est quasiment à 20 minutes de jeu, et c'est Lee Sin, je veux dire, c'est pas de lui dont on doit venir là, au moins qu'il sorte que des insec de fou furieux, sinon j'ai du mal à voir, parce que là, il faut pas se voiler la face, je veux dire, bot lane, c'est très compliqué pour Mime, mid lane, c'est très compliqué également. Le top tient, mais voilà, c'est un Gnar, ça tank. Les damage healers sont loin derrière, en fait. C'est le gros problème. Surtout qu'une insec, quand on connaît, on en a déjà vu, hein, des Lee Sin qui tentaient d'insec quand il y avait une Lulu et qui se prenait juste un ulti à côté, le bump et qui se faisait one shot. Et bon, Unrated est un support ayant les mécaniques suffisantes pour être assez réactif. C'est extrêmement dangereux à tenter, surtout quand il y a le DPS d'une Lissandra, d'une Cassio qui peuvent juste one shot. Hein. Ils voient Lee Sin arriver, ulti. Bon bah voilà. Puis sachant que là dans quelques minutes il va y avoir des Zonia qui vont pop sur la Cassio, un Zonia également qui va pop sur la Lissandra. Donc ça veut dire que Lissandra c'est mort, jamais il claquera une sec dessus. Cassio il va tenter mais il y a une Heritage en protection. Graves il pourra pas à cause de l'escape. Ça me semble dur. Et le Gnar, effectivement, il tank beaucoup pour le moment. Cassio reste un des meilleurs destructeurs de tank. En fait, le temps fort des Mimes, il est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est ça. Ils ont 5-10 minutes pour essayer de jouer le tout pour le tout. Et s'ils n'arrivent pas derrière, la Cassio va arriver, va aligner le DPS. Ouais, et la Cassio va outscale toute leur équipe. Hein, c'est vraiment le problème. Alors, c'est reparti dans la game, Noah. Comme tu le disais, Oro, justement, on se demandait Forgiven qui flash instantanément. Et la smoke screen pour tenter de se protéger. Mais voilà, oh, le petit heal de dernière minute. Et le shield derrière Unrated nous a fait une véritable mata. Pour le coup, il est arrivé in extremis pour save the day. Forgiven s'en sort à rien du tout. La présence de Unrated, là, c'était chaud. Dommage pour les Mimes, il le méritait quand même, ce kill. Mais voilà, il y a des fois... Il y a des fois le destin, on a décidé autrement. Ils sont très très propres SK mécaniquement. Parce qu'on parle beaucoup de leur vision de jeu, leur capacité à théorie crafter et à faire des strats qui sont imba, mais mécaniquement là, il est parfait Forgiven. Il fait des petits bisous de droite et gauche pour esquiver un potentiel bisou ou un Q-spell. Il a vu une Unrated qui arrive derrière, et d'ailleurs Unrated qui était serein, qui a même pas claqué l'ulti. Hein. Alors, du coup, il est reparti à sa base. Il a eu le temps de finir Salam d'Infini. Freddy qui a récupéré la botlane contre Mimer. Où est-ce qu'il en est, Freddy? Il est passé un petit peu derrière maintenant. Il n'a pas encore beaucoup de DPS avec son Morello et juste un tome de puissance. Comme tu dis, je pense qu'il part sur Zonia juste derrière, histoire de fermer absolument toute possibilité de se faire instant. Et pas de dragon à l'horizon. Deux dragons pour SK à 0. Pour l'instant, alors Oro qui arrive en bas, là il voudrait chercher une ouverture sur Freddy, mais il y a vague de sbires, donc pas possible de poser un Q là. Ou alors faut smite. C'est chaud, mais bon, c'est pas grave parce que les Mimes ont pris ce qu'ils étaient venus chercher, à savoir 7-1 au bot, et les SK répliquent avec celle du top. Alors là, on a un push opposé là sur la map. Les Mimes sont en train de mettre la pression au bot, les SK au top. Ça push plus vite un côté SK. Hein. Ouais, mais il y a la civière qui est là pour tenir, et normalement avec un boomerang et une auto à rebond, tu clears logiquement une vague de sbires, et c'est ce qui s'est passé là. Civière, malgré le fait qu'elle soit derrière, elle a quand même son IE, elle a un peu d'AD, elle est capable de tenir contre une vague de sbires poussée par deux joueurs SK. Mais là, c'est la balle est dans le camp des Mimes, hein, comme on dit tout à l'heure, c'est leur temps de jeu, c'est eux qui doivent mener l'agression, c'est eux qui doivent sortir les SK de dessous leur tour, et les SK, ils ont aucune raison de se commit.
à part quand le dragon va pop, pour l'instant ils sont en mode full farming et c'est la bonne solution. Voilà, on voit Fox qui prend de plus en plus d'avance sur Blizzard. Ils ont oublié ce petit loup. Non, c'est Auro qui a fait le counter jungle et qui l'a laissé up. Ouais, mais Cassio elle a pas pu le pull, elle a mis son forme. Alors, pour les SK là, on a plutôt ralenti le rythme un peu. J'ai l'impression qu'ils attendent peut-être quelque chose. Ça, c'est la marque des grandes équipes aussi, je trouve. C'est être capable de juger lorsqu'effectivement t'as emballé la game, mais que finalement là tu peux plus trop en tirer de bénéfices. Savoir un peu ralentir justement pour essayer de faire la différence. Donc pour l'instant, on voit une phase où les SK regroupent un peu, jouent la bataille du map control. Et effectue des rotations pour essayer de tenir la map. Et les Meteor Makers, on dirait presque que ça leur convient. Ils décident un peu de rester dans l'attente pour l'instant. Alors, une 50 avant le dragon. C'est là qu'on va voir aussi, pendant les 2 minutes qui viennent, voyons voir un peu comment les SK préparent ce dragon. Là, on a un petit style de leur part. Ils ont ralenti le rythme de jeu, comme je le disais. Comment ils vont gérer la top lane? Qui vont envoyer? Pour un slow push, à quel moment? T'envoies pour Gnar. C'est Mimer qui y va. T'envoies Gnar, c'est... Non, je parle des SK. Ah, des SK. Ouais. Pour moi, c'est les SK qui vont faire la décision dans les 2 minutes à venir, là, pour aborder. Ils vont envoyer Freddy, c'est le seul avec un TP, il a du wave clear, il pourra pas se faire attaquer sous sa tour, il va pas gagner son match contre Mimer, qui est maintenant trop tanky pour lui, mais il va pas lâcher de terrain, à mon avis. En fait, est-ce qu'ils vont gank le Gnar? Ils ont 1 minute encore, le Jarvan pourrait venir. À la nuit du retour dragon, c'est quelque chose qui est faisable. Et on voit un Mimer okay, qui push et qui décale instantanément vers le mid. Sa lane au top est bien avancée. Qu'est-ce qu'il décide de faire? TP back ou non? Juste il attend. Il attend. Peut-être que la Lissandra disparaisse de la lane pour de nouveaux push et faire tourner en bourrique les SK. Et une Reddit qui assure là avec des pink ward. 40 secondes avant le retour du dragon. Et là, regardez. Les SK normalement devraient prendre l'avantage au bot. En poussant avec le Graze, la question c'est le top. Et au mid, ça devrait être even parce que Fox va tenir. C'est le top. Après, je suis pas sûr que. Je pense que les SK peuvent prendre un fight sans le Lissandra. Je suis pas sûr que les Mimes puissent prendre un fight sans leur front lane avec le Gnar. Donc, à mon avis, il y a forcément un moment où le Gnar va devoir quitter cette ligne et laisser Lissandra complètement dépouche. En attendant, au mid, Fox qui va continuer de mettre la pression sur la tour. Et Forgiven qui push au bot là. Ils vont devoir décaler à un moment les Meteor Makers pour tenir le bot. En fait, je pense qu'ils cherchent un peu le trade base. Ils vont essayer de prendre la T2 top côté Meteor Makers et laisser. Attends, là c'est intéressant le call des Meteor Makers. On dirait qu'ils refusent le fight vraiment au niveau du dragon, mais au lieu de ça, ils vont essayer de faire quelque chose au top. S'ils arrivent à prendre cette tour et le kill. Ouais, mais même, ce sera trop tard parce que derrière, cette TP back, regardez, Enraited est déjà revenu. Voilà, Freddy en danger, le kick. Alors, il va Freddy, se mettre sous juste tempo. Il va tempo, alors il va tempo. Est-ce qu'il peut tempo plus que ça? Il a son flash, il va tomber finalement. Il a été cessé, il a pas pu finalement se TP. Les SK qui vont répliquer. Alors, est-ce que ce call peut être payant pour les Meteor Makers? Il faut qu'ils aillent deep, sinon ils vont perdre. Ils avaient qu'un support en phase 2, sincèrement, je pense qu'il y avait plus ils de auraient pu essayer. Ils auraient pu essayer. Ça pouvait valoir le coup d'aller chercher cette T3, je pense. Au moins essayer, à mon avis, ils auraient pu l'avoir. Ouais, soit il fallait tout mettre, soit rien mettre du tout. Alors on prend un kill sur Lissandra, mais il y a 3 dragons pour les SK, donc ça veut dire potentiellement Dragon Slayer dans 12 minutes de jeu, et un Dragon Slayer sur une Cassiopée, je vous laisse imaginer le massacre. Là, ils ont peut-être manqué un petit peu de balls sur le push au niveau de la top lane. Ouais, je pense vraiment que... Mais c'est ça aussi, c'est dans ce genre de cas, c'est dommage, parce que... Et peut-être qu'après, c'est le fait que l'équipe soit pas forcément en confiance avec la perte de Selfie Wall. Je ça. Sais pas si ça joue, mais effectivement, ça aurait mérité... d'aller un peu plus loin peut-être pour le coup, parce que le call était intéressant, décider d'abandonner ouais. le dragon, mais le truc c'est que seulement pour une T2 alors que tu perds une T1 mid. Bah, en fait je pense que Blizzard au mid s'est dit non, et mais les gars je tiens pas, on va tout seul, je peux pas tenir aussi bien que l'Alessandra a tenu, je vais concéder la T1, enfin la T1 était déjà tombée, je vais concéder la T2 mid, et T2 mid contre T2 top, y a pas photo, ça a l'avantage SK. Je pense que si la Harry était mieux dans sa game, peut-être que s'il avait son DFG comme tu disais tout à l'heure, elle aurait pu faire quelque chose, et là elle a pas la capacité à défendre. Du coup, hein, au niveau du compteur de tour, bon, ça en fait 3 partout, donc les mimes, on reste quand même à égalité avec les SK, mais ça fait 3 dragons
pour les SK. Ouais. Trois dragons et finalement là le choix des mimes sans pousser jusqu'à l'inhibiteur. Il était Powers, donc bon, il décide de reprendre un peu le contrôle de la river, mais c'est late, hein, y a plus de dragons, voilà. Ils subissent le rip. On approche des 30 minutes de jeu, hein. Enfin là honnêtement, je commence à me dire qu'ils n'arriveront pas à passer, que la Cassiopée commence à être trop bien, à être trop tanky. Enfin là, déjà que c'est tanky, normalement je sais qu'il y a un stuff standard, là elle a séculaire et Rylair. Hein. C'est imbutable, elle est imbutable. Et 35 minutes de jeu, 35 minutes de jeu, les SK peuvent potentiellement, s'ils continuent comme ça, avoir le cinquième dragon. Avoir le cinquième dragon, ouais, exactement, ouais. Et ils vont les défendre. Becs et ongles. Les Meteor Makers, c'est vraiment dommage hein, qu'ils aient pas tenté d'aller plus loin. Mais là, maintenant, ils n'ont plus le choix pour moi. C'est, il faut qu'on teste le dragon. Je veux dire, s'ils laissent le quatrième, après. Bah, la pression là, est énorme. On est à 30 minutes et. On sera à 30 minutes et quelques. S'ils laissent le quatrième, ça veut dire que. Il y a tellement d'opportunités c'est après d'avoir le cinquième dragon. C'est quasiment sûr que c'est Louis s'il laisse le prochain dragon. Ils peuvent pas se permettre à une équipe comme les SK qui peut le clean très très vite le Dragon Slayer. Enfin, c'est bien vu de la part SK parce que la T2 top en soi, c'est certainement la T2 la moins intéressante de toutes parce qu'elle n'ouvre pas potentiellement de stratégie. Enfin, ça ouvre pas le Nashor. Le dragon, bah, c'est l'équipe adverse qui l'a récupéré. Enfin, c'était gros sang-froid l'équipe SK et pour l'instant, ils mènent cette partie d'une main de maître. Et là, alors on voit Mimer hein, qui est au bot, en train de push. Il essaie toujours de faire la différence en solo lane. Il sait très bien qu'il est dur à prendre en 1v1. Donc il en profite et il met la pression. Puis c'est mobile un Gnar. Attention, oh les Meteor Makers qui rencontrent les SK. Le caillou, oh, ok, oh, un petit tir, tout ça, c'est bon. Ah, ils se sont fait voler. Ils n'ont pas récupéré le blue buff. Je crois que c'était Smite, ouais, Oro Smite. Par Oro. Ça a été récupéré. Oro à Smite. Mais c'est pas suffisant, enfin, il y a toujours 2 kagold à peu près de retard et ils prennent aucun avantage depuis tout à l'heure. Ils sont à 3 tours à 3. Et là il faut le push, mais c'est pas en frontal, ils arriveront pas à passer. Non, ils pourront pas. Le bisou sur Freddy qui a eu le temps d'ulti avant. Il a un flash out, Freddy. Non, il a pas de flash out. Zonia juste derrière. Il tempo. Pour l'instant, on a une tentative de flanking avec Forgiven qui vient d'arriver. Svenskeren qui va tomber. Ah, l'ulti de Forgiven est plutôt bon, mais le problème, voilà, c'est qu'il arrive un peu après la bataille. Et voilà, c'est le genre de choses qu'on veut voir du côté des Meteor Makers. Ne pas laisser les SK juste installer leur jeu. Tenter un flash bisou, bah ma foi, pourquoi pas. C'est un place qui peut-être débloquer quelque chose. Alors voilà, ils prennent un kill. Non, derrière, ils arrivent pas à prendre un objectif, mais c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Il y a eu un TP de Freddy. En fait, ils ont voulu call le Nashor, je pense. Ouais. Ils se sont dit, on rush Nashor, il back. 4v5, et ça a été joué. Enfin, 4v5, ouais, c'est ambitieux. Ouais, pourquoi pas. S'il y avait un back après, pourquoi pas. Mais les Meteor Makers ont été attentifs et. On va revoir, hein. La viseur. Flash bisou. Enfin, le move est très très joli, mais ils mettent énormément de choses sur une Syndra qui ne tombe pas. C'est Svenskeren qui va se faire repousser par Nisbeth, qui s'est très bien fait, il se retrouve tout seul. Ils vont juste lui faire la chasse. Et le problème, c'est que Forgiven arrive late et en fait, il a aucun moyen d'exprimer ses dégâts vraiment dans le fight. C'est trop tard, les mimes étaient déjà partis en courant. Forgiven à la bourre et l'excellent ulti de Nisbeth. Hein. Alors, une minute avant le retour du dragon. Une minute. Et là, on voit au top, alors, on a le TP sur Mimer, il va pouvoir faire slow push en faveur de son équipe, c'est bien, sachant que c'est la T3 en vue au top. Donc là, c'est très bon pour les Meteor Makers en vue du dragon, justement, surtout qu'ils sont en train de mobiliser Freddy. Freddy qui n'a plus de TP à cause du call de Nashor, finalement, qui n'a pas été effectué. Effectivement. Après, le Gnar tout seul, la T3, il pourra pas spécialement la prendre. Il n'a pas de brillance, il n'a pas énormément de dégâts sur tour. Freddy peut temporiser à l'infini avec son ulti, avec son Zonia. Bon, je pense que les SK sont pas dupes là. Ouais, du coup, Meteor Makers, normalement, ils ont la main pour cette phase de dragon. Hein. À cause du manque de TP sur Alissandra. Alors, soit SK tente d'engage. Soit s'ils laissent les Meteor Makers mener le speed push comme ça, il y a un moment où ils vont se faire dépasser peut-être, à moins que SK qui va nature. Ils vont y aller, ils vont essayer Nashor, le trade contre le Nashor. Ils vont essayer le trade contre le Nashor, mais Enretti n'est pas dupe, il va essayer de les deny. Et ils vont peut-être mettre trop de temps, en plus il y a Freddy SK qui est là. Arrive à quatrième dragon, Nashor, oh là. Attention, le catch, le bisou qui ne passera pas sur Enretti qui va sauter ulti, mais qui va tomber. Il faut limiter les dégâts, ils ont pris le quatrième dragon, il faut vite s'escape. Forgiven qui est en plein milieu, il est tout seul. Oro qui va tomber et il arrive à
ils engagent. Mais c'est un grève, c'est tanky, Noah, c'est tanky. Et pour l'instant, ils tiennent bon. Les SK et l'ultime même de la part de Forgiven, histoire de dépouche cette vague de sbires. Ils ont réussi à prendre le dragon, à prendre un kill, tout en concédant deux. Là, cette phase des SK était plutôt bonne, honnêtement. Ils vont perdre la tour. Ils vont perdre la tour. Est-ce que les mimes peuvent continuer un peu plus loin? Je ne pense pas, sachant qu'il y a déjà Freddy qui est parti faire le bac. Et il y a une grosse vague de creep en train de push la tour au bot. C'est worse pour les SK. Ah oui, non, ils ont réussi à effectuer un numéro de funambule. C'est ça. Là. En fait, depuis tout à l'heure, Me Too Makers donne tout ce qu'ils ont. Ils sont en train de se déchaîner contre les SK. Et les SK, ce qu'ils font, c'est que, ok, ils laissent des kills, ils répondent tranquillement. Allez-y, tuez-nous un joueur, deux joueurs, il n'y a pas de problème. Nous, on a 4 dragons. Nous, on a push tranquillement un peu partout. On a une KSEP en late game. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas pressés, ils ne sont pas commis de plus que ça. Je pense que même s'ils perdaient de la chance, c'était pas dramatique. Ils sont un excellent wave clear. Là, c'est la vision de jeu des SK pour l'instant, elle est imbattable. Ouais, bah, c'est... Mais les mimes n'ont jamais cherché à défendre un seul dragon. Ouais, ouais. Ça fait 4 dragons, il n'y en a aucun où il y a eu un fight pour se dire on le conteste. Non, à chaque fois, ils étaient en train d'essayer de prendre une tour, un Ashor, une autre tour. Donc oui, au niveau des objectifs, c'est grâce à ça qu'ils arrivent au niveau des tours à se tenir dans la partie. Peut-être qu'ils se disent on a moins besoin d'un dragon qu'on a besoin de gold pour essayer de compenser en termes de stuff, mais là honnêtement le prochain dragon dans 6 minutes la partie peut être finie. Je suis clairement d'accord avec toi. Après faut noter aussi que essayer de tenter de faire un fight au niveau du dragon pour les Meteor Makers, c'est s'exposer à quand même 5 ultis de zone dans un endroit qui peut être relativement restreint. Enfin, puisqu'il y a pas mal de petits couloirs autour du dragon, c'est vrai que c'est un choix que je peux comprendre. Je pense que c'est juste le mind game SK qui est au dessus là. Ouais, non, mais clairement, le fait qu'ils arrivent à négocier le dragon et en même temps à ne rien trop concéder à côté, c'est très fort, hein, parce que là, les on a un gros push au mid. On a un gros push au mid. Quand tu mènes 4 dragons à 0 et que tu es à égalité au niveau des tours, c'est que tu as écrasé l'adversaire tactiquement. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, à chaque fois que SK a concédé quelque chose, on peut se dire, ouais, c'est une tour, ouais, c'est des kills. Mais en fait, stratégiquement parlant, ça n'ouvre à rien pour les Meteor Makers. La T2 top, concrètement, elle leur sert à rien. 2 kills, là, qu'ils ont pris tout à l'heure, c'est juste pour gratter une T1 mid, ce qui est normal avec étant au bout de 30 minutes de jeu. Ils ont concédé la T1 bot, ok, certes, mais ça n'ouvre à rien aux Meteor Makers. Et là, dans tous les cas, je pense qu'ils se sont dit, on a une cache au late game, les gars. On tempo, on sécurise les dragons. Svenskeren qui a pris le buff, des Corbin, il a vu les wards, il faut se regrouper. Maintenant, je pense que les SK avec ce cadre noir, ils pourraient se dire, ok, pourquoi se presser les mecs, dans 5 minutes, on met tout sur le dragon et on essaie de gagner là-dedans. C'est ce qu'ils vont faire. Je pense que ce qu'ils vont faire, voilà, exactement, ils n'ont aucune raison là, de charger dans le tas comme des gros gorées. En attendant, on essaie toujours le speed push avec Mimer. Mais pareil, ils arrivent très bien à gérer le speed de Mimer à chaque fois. Ils envoient Freddy. Freddy met 3 AOE, puis c'est bon, c'est géré, c'est fait. En fait, je pense que la seule porte de sortie pour Meteor Makers, là, c'est un flash bisou, comme on l'a vu tout à l'heure de la part de Blizzard, ou une insight de génie de la part d'Oro. Sinon, ils se font grignoter petit à petit. Ouais, puis on verra le prochain fight au niveau du dragon. Ça va être intéressant, parce que Meteor Makers sera obligé de faire quelque chose à ce moment-là. Après, ce sera peut-être trop tard, mais tentative de Q du côté de Oro, ça ne passe pas, Mimer qui poke également, mais le clear est là côté SK, hein. Elle a bien pensé leur composition. Cassio, Graze, Lulu, Lissandra, clairement, pour passer une tour dans ces conditions, c'est extrêmement compliqué, sachant que tu peux pas vraiment dive, vu le nombre de wombo combos et la tankiness de l'équipe. Donc à moins de split et d'arriver comme tout à l'heure, hein, l'a très bien fait Blizzard sur un flash bisou ou sur un ulti bisou, arriver à cache quelqu'un, il y a vraiment peu d'opportunités. Le flanking, Oro qui va essayer d'arriver par derrière, et voilà, tout de suite on va se replier. Ils se sont fait une petite frayeur les SK sur ce move. Cette fois-ci on a envoyé Cassio en train de dépush contre Mimer. Ah, l'ulti civière qui a été mis, et dans tous les cas, il y a un Forgiven à 362 farm, à 35 minutes de jeu, qui est 3 slots. Dans ses standards à lui, en fait. Enfin, là, en fait, si Meteor Makers engage et se commit un peu trop sur Forgiven, il va mettre 2 coups de fusil à pompe dans le tas, leurs points de vie vont juste disparaître. Et on est à 1.25 du retour du dragon, voilà. C'est le moment qu'on attend tous. Est-ce que Mime peut arriver à faire la différence maintenant, une rated qui pose une ward au cas où, parce que SK n'a quand même pas envie de trade un 5ème dragon contre un Ashor. Donc, on maintient du map control. Les Mime viennent de ping le Ashor. Alors, je sais pas trop ce qu'ils préparent, c'est là que ça va être intéressant. Enfin, même s'ils laissent le Nashor pour les mimes, le SK avec le Dragon Slayer, ouais. Ils leur rentrent dedans, ils peuvent rien faire.
Mais c'est pas une équipe qui a envie de laisser un Achor, je pense. Et le dragon. Le dragon, là, les mimes, honnêtement, ils sont dos au mur. Dos à l'abîme. Ils ne peuvent pas faire marche arrière. Ils sont obligés de tout donner par défense. Gnar qui n'est pas là pour l'instant. Bon, il a son TP de up. Ils peuvent pas se permettre de le lâcher, celui-là. Il faut que l'ESK récupère le map control, il y aille prudemment, on envoie Jarvan pour scouter un peu. Même Forgiven est là, c'est pour dire s'ils le veulent ce dragon. Oh, puis ils prennent leur temps, ils ont mis un bon map control, Forgiven a eu le temps de bike de récupérer son enchantement de fureur pour être sûr de ne pas se faire catch. Il y a de l'AMR qui a pop sur Ekassio au cas où la Harry flash bisou, il y a le bâton du vide dessus. Moi je honnêtement j'y crois plus pour les mimes là. Bah on va voir, c'est maintenant ou jamais, 10 secondes, ils sont tous présents, ils savent qu'ils doivent fight. Mais il y a la position qui a été prise. Ce serait vraiment une grosse faute professionnelle de leur part de ne pas prendre le fight maintenant, je veux dire. Ils doivent tout faire pour empêcher ce cinquième dragon d'être pris. Ils ne sont pas en position. Est-ce que Euro pourrait réussir à faire un cycle de génie? Là, ça va, ils peuvent le faire. Alors, les SK ont la position avec le crabe, par contre, voilà, il faut être attentif. Ils ont pull out. Pour Oro, pas de style, ok, teamfight avec le dragon, ça va être rapide au niveau du DPS, pendant qu'on a Freddy qui est en train de tout temporiser, et regardez, ils sont désemparés, ça fait déjà 3 kills, ça va être un ace, les mimes qui ont attendu leur défaite pendant 37 minutes, ils ont attendu les 5 dragons sur SK. Il aurait fallu faire ça avant, ou dommage, parce que Oro il tente, mais un tout petit peu trop tard. Est une question d'un petit peu trop tard en fait dans cette game pour les Meteor Makers. Ça va tellement vite le dragon avec Cassio. Les tours c'est du beurre pour l'équipe des SK. C'était sûr, à partir du moment où Svenskeren a touché son smite, c'était gagné. Enfin le buckshot ulti de Graves qui a fait des trous derrière, il y avait Alissandra qui a très très bien temporisé et Fox qui était free DPS. Je crois que Oro il arrive même pas à toucher avec son Q le dragon. Non, il peut pas, mais il a à portée de smite. Mmh. Ouais, mais bon, il jump 2 secondes plus tôt, il a la priorité parce que c'est un Lee Sin. Après, voilà, avec des si. Ouais, en fait, le truc, c'est que dans tous les cas, il y avait une Raytheon qui était là avec son petit tut-tut, prêt à polymorphe. Enfin, dans ces cas-là, avec un Lee Sin, il faut. La seule manière de vraiment arriver à tenter le seal, c'est kick le jungle adverse ou kick les autres pour qu'ils aillent retomber sur le jungle adverse et arriver à portée. Tu pourras jamais lander un Q-spell dans ces cas-là. Bon, en tout cas, SK a gagné la game du dragon, tout simplement. 5 dragons à 0, ils ont commencé avant les 10 minutes de jeu. Mm-hmm. Et ils arrivent avant les 40 minutes de jeu, avoir le 5ème dragon, ça veut quand même dire que t'as maîtrisé la game. Comme tu l'as dit, hein, quand t'as égalité au niveau des tours et que t'as 4, maintenant 5 dragons de retard, que t'es derrière au gold, que t'es derrière au farm, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion dans la partie. Enfin, à aucun moment. Ils ont réussi à mettre en place un split push ou à prendre les SK de vitesse. Ils avaient toujours un temps de retard, encore et encore. Et là, honnêtement, ce dragon-là, il est plus important qu'un Achor. Ah oui. Et donc, le fait que tu ne prennes pas la position, que quelqu'un en train de split push au top pendant que les autres sont en train de faire le dragon et que tu joues tout sur un style, ils jouent leur game sur un style, ce qui est ultra aléatoire. Moi, ça me paraît invraisemblable. Mais je pense que pour Mime, ce qui doit être frustrant, et là où ils ont beaucoup à travailler, c'est se dire justement... ils ont eu une opportunité de mettre en danger les SK, c'était au top, moment où ils dive l'Alissandra. Grâce à Oro. Et ils prennent pas la T3. C'est le seul moment où ils auraient pu un peu gêner le jeu des SK. Et je pense qu'ils pourront s'en vouloir parce que à trop attendre, à pas vouloir prendre de risques, ben voilà, t'es dans une situation où finalement t'es totalement dominé au niveau des objectifs. Et pour moi, c'est pas un perfect dans ce qui s'est passé, mais ça en a l'air quand même parce que t'es égal au niveau des objectifs, sauf que les autres ont 5 dragons. Donc à partir de là, c'est que t'as rien fait dans ta game, c'est que t'as fait une mauvaise game dans l'absolu. Puis dès le juste au niveau du decision making, je suis complètement d'accord avec toi, honnêtement, Chip. Et quand j'ai vu les phases de lane, en fait, quand on sait la capacité de stratège qu'ont les SK couplée à un niveau mécanique qui était largement supérieur au mime, moi je voyais pas de peur de sortie. La compo des SK est meilleure, elle est mieux utilisée mécaniquement, les joueurs sont meilleurs en 1v1 que les mimes. Il y a eu en fait la seule chose qui a permis à Mime de respirer, c'est les mécaniques d'Oro, qui fait un excellent 2v2 au top. Mais un Lee Sin ça suffit pas, c'est très bien. Et puis le fait qu'il se soit pas donné aussi trop, oui, c'est à dire à partir du moment où ils ont décidé de revenir au niveau des kills, ils sont jamais offerts à la Cassio ou autre. Ils ont toujours maintenu quand même une grosse force de dépush au mid. Mais voilà, leur speed push, ils n'ont pas réussi à utiliser. Et
Je pense que le pick Harry est mal utilisé également. En fait, là, j'aurais plus vu un Xerath dans la composition d'équipe des mimes. Ça aurait permis de turtle plus facilement, peut-être de contester les objectifs plus facilement. Parce que cet Harry, avec son choix d'itemisation dont on parlait tout à l'heure, qui est parti sur Garland P First, à part un super flash bisou, elle a quasiment rien fait de la partie. Après, un Xerath... Par exemple, un Xerath dans la compo qu'on a pu voir hier où il achève et il y a des gens qui pillent et qui agressent pour lui. Mais là, le Xerath dans la mêlée, il tue qui ? En fait, il peut farmer safe contre la Cassio. Il peut farmer. Il y a une Janna pour le protéger. La range de go-in de l'équipe SK n'est pas si grande que ça. Donc s'il est positionné bien, il peut quand même taper. Moi franchement, un Xerath, tout à l'heure, j'ai vu un Xerath joué par les Jhin Air Green Wings. Mm-hmm. Et même tout le monde full stuff. Hein, si lui, il est full stuff, il n'y a pas de problème. Il défonce. Ça met des baffes de ouf. Et il aurait eu beaucoup de stuff parce qu'il aurait eu tout le farm du mid. Mm-hmm. C'est simple. Les Meteor Makers, ils ont pu donner... Et c'est triste d'ailleurs que cet Harry ait eu aussi peu de farm, parce qu'en vérité, leur midlaner, il a eu du farm pendant 30 minutes au mid. 30 minutes. Et avec un Xerath, c'est vrai que t'en aurais eu beaucoup. Pour contester les objectifs, il faut qu'ils puissent avancer, et la range d'Harry n'est pas suffisante contre le go-in de l'équipe SK. Il faut quelque chose qui puisse taper de plus loin, ou alors à ce moment-là, il ne faut pas prendre une Janna. Il faut prendre une Leona, il faut prendre quelque chose qui puisse rentrer dedans. En tout cas, une game maîtrisée de bout en bout de la part de SK. La prochaine, Giants contre les Wolves, deux gagnants d'hier. Donc un match qui s'annonce intéressant. Tout ça, c'est après une courte page de publicité. On vous dit à tout de suite.